Elsie 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 Elsa, ça signifie quoi tout ça Combien de fois est-ce que je t'ai demandé de ne pas fumer dans ma maison Papa, c'est quoi le souci <coughs> Tu m'as demandé de ne plus fumer dans ta maison. Et je l'ai fait. Et maintenant, je le fais dans ma propre chambre. Et te voilà encore à te plaindre de ne pas fumer dans ta maison. C'est quoi le problème ha Ta chambre, c'est ça Je te pose une question. Où est donc située ta forteresse impénétrable Au cinquantième étage Et qui est propriétaire de cette forteresse Moi Alors, tu me la fermes, cette sale bouche. Bref, je ne suis même pas là pour ça. Elisa, où est l'argent que j'ai laissé dans mon tiroir Quel argent Je ne sais pas de quel argent tu parles. Mmh, Elisa, je suis fatiguée de ton mode de vie irresponsable. Quand est-ce que tu vas arrêter toutes ces bêtises euh, Papa. Mais qu'est-ce qu'il y a, non Qu'est-ce qu'il y a Je ne vais <coughs> pas accepter ça de toi, que tu débarques dans ma chambre et que tu m'accuses d'avoir pris ton argent. Ah ah ha. Papa, en fait, je vais poser la question à James et à la femme de ménage. Ah ah Papa l'as-tu trouvé Non, un instant. Wow. Seigneur Hmm. Que je vais gérer ça. Je ne peux pas faire d'Elisa mon héritière. Si quelque chose m'arrive, elle va tout foutre en l'air avec ses attitudes irresponsables. Maintenant que j'ai choisi. Lisa. Ah. Oh. Et si Lisa changeait après? Oh là là. Bon, je vais garder tout ça pour moi, à l'avantage d'Elsie. Et si elle change, je vais revoir le testament. Mais si elle ne change pas, je le laisserai comme ça. Tu vas où avec tous ces sacs? Si tu tiens à le savoir, papa, je m'en vais dans un endroit plus confortable où je pourrai avoir un peu d'air frais. C'est quoi toute cette bêtise? Est-ce est -ce que tu es en train de dire que la maison de ton père n'est pas assez confortable Bien pour toi? Bien sûr que non. Je m'attends à vivre ma vie comme je le souhaite. Et le seul endroit où je puisse le faire, c'est dans la maison de mon père. Mais ce n'est pas le cas, papa. Tu ne me laisses même pas respirer. Oh. oh. Alors, ton besoin d'air frais, pour toi, c'est de te laisser retourner ma maison dans tous les sens. Te laisser fumer. Et n'importe où quand tu veux. Oh. Lisa, ta maman serait vraiment très dessus de toi. Même dans sa tombe. Ai-je l'air d'être touché hein? Bien sûr que non. Comment mon père peut-il faire de ma sœur son héritière 200 millions de Naira. Ça, c'est beaucoup d'argent. En aucun cas, je ne laisserai cela arriver. Pas du tout. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et très vite. Elsie, tout ceci sort de l'ordinaire. Je veux dire, comment ton père peut-il faire ta petite sœur son héritière? Non. J'y pense depuis quelque temps maintenant et je n'arrive pas à placer un mot. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois vraiment faire quelque chose. Surtout que le temps, c'est l'argent. Hein? <laughs> Rita, fais-moi confiance, non? Je ferai absolument tout. Je veux dire tout pour récupérer ce qui me revient de toi. Ma chère, c'est ça le jeu de la victoire. 200 millions, ce n'est pas 200 mille. Premièrement, tu dois garder les documents en ta possession, te débarrasser de ton père et. après une nuit d'Uran et ta sœur Lisa. Hé hey, hey, Rita, je pense que tu devrais faire une pause maintenant. Que j'unisse mon propre petit ami à ma sœur, Manduran Oh, s'il te plaît, dis autre chose. Calme-toi et écoute-moi. Si Durand épouse Lisa, automatiquement, ça fera de lui son héritier. Et si elle meurt, automatiquement, c'est lui qui va hériter de tous ses biens. Tu sais ce que ça signifie Pense-y. Un génie. Ah oh, mon Dieu. Merci. Wow. <laughs> Juste comme dans un film. Je veux voir comment les choses suivront. <laughs> Santé, bébé. <laughs> James, je vais te donner 10 millions de Naira. 10 millions de Naira si tu fais bien le boulot. Rassure-toi qu'ils ne se rencontrent pas. Si tu le fais bien, je te donnerai encore plus d'argent. Mm -hmm. euh, madame, je dois partir avant que oh. Chief ne commence à me chercher. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Euh, James, rassure-toi de ne parler de ça à personne. Si tu le fais, tu n'auras pas tes 10 millions. 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Je garderai ça pour moi. Ok, personne ne le saura jamais. Je garderai ça pour moi. Bien. Allô Allô Oui, c'est moi, James, madame. S'il vous plaît, madame, Chief insiste pour que j'appelle Lisa. Il dit avoir quelque chose de très important à lui dire et c'est seulement pour ses oreilles. Mmh. Dans tous les cas, écoute-moi. Tu sais que j'ai 10 millions de naira à te donner, n'est-ce pas Oui, madame. Bien, maintenant, rassure-toi qu'ils ne se rencontrent jamais. Ok. Je ferai le reste de mon côté. Ok, madame. Je vais m'assurer qu'elle ne se rencontre pas par tous les moyens. Bien. Bye. Salut bébé. Non, écoute, écoute, écoute d'abord. Papa veut que Lisa le rencontre. Donc, je voudrais que tu l'emmènes très loin de la maison, d'accord Ou encore... Euh, passe la nuit avec elle. Ok. On se parle plus tard. Euh, allô, James, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ton père voudrait que tu viennes à la maison. Il dit qu'il qu a une information très importante pour toi. Quoi S'il te plaît, dépêche-toi. C'est très, très important. Maintenant Maintenant Ok. <coughs> Bébé. Hey. Je dois y aller. C'était qui C'est James. Il a dit que papa veut me parler, que je dois me rendre là-bas immédiatement. Hé, hé, hé. Tu m'as dit que tu avais faim et c'est pour ça que nous sommes ici. Alors calme-toi et termine ton repas. Peu importe ce que c'est, ça peut attendre. Tu sais comment James réagit des fois. Il n'est pas si sérieux que ça. Termine ton repas. Écoute-moi. Mais. Chérie, fais-moi confiance. Finis ton repas. Dis-moi, tu veux un supplément de viande Tu n'es pas sérieux. Arrête en ça. T'en es sûre Ne t'en fais pas. Tu aimes le repas? C'est bon. Je t'aime. <laughs> Je t'aime aussi. Mange. James James Pourquoi tu lui as recouvert le visage Seigneur, papa. Papa! Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Papa! Oh mon dieu! Je suis désolée. Il est mort. Il disait qu'il avait quelque chose d'important à te dire, mais tu n'es pas venu à temps. Ce sont les bouchons. Papa. Papa, ce sont les bouchons qui m'ont fait ne pas arriver ici à temps. Je suis vraiment désolée, papa. S'il te plaît, réveille-toi. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. <laughs> Seigneur. <laughs> Hé, hey, écoute, ne pleure pas, ok? Tu as déjà ses bénédictions. Il a dit qu'il avait quelque chose à me dire et je ne suis même pas arrivée à temps pour l'entendre. Il te l'a dit? Non, il ne l'a pas fait. Il a dit que l'information t'était destinée. <laughs> Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. <laughs> Ce n'est pas de ta faute, les embouteillages ont dû te retarder, ok Papa, tu vas tellement me manquer. Salut maman de ma part. Repose en paix. Ah. Euh... <laughs> Alors, comment ça s'est passé J'espère que mon père n'a pas eu à rencontrer Lisa. Oh, non, 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 ils ne se sont pas rencontrés. Tu sais, j'ai même dû faire deux ou trois choses pour me rassurer qu'il qu partirait avant qu'elle n'arrive à la maison. Oui ma fille. Pourquoi n'est pas encore là à cette heure-ci euh, euh, Chief, elle est en chemin monsieur. Je crois qu'elle est en route. Elle sera là dans peu de temps monsieur. Mm, d'accord. Ok. Euh, euh, monsieur prenez prenez votre boisson. Ah d'accord. Oh merci beaucoup énormément. Oh. <laughs> Très bien. Hmm. Ah. S'il te plaît, appelle-la encore, qu'elle se dépêche un peu. Ok monsieur. Chief 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 ah. Bien Bien <laughs> Vas-y, bois ah. <laughs> ah. euh, tu vois monsieur james je voudrais te remercier pour ce très bon travail <laughs> euh, alors voilà c'est deux millions de naira oh. tu auras les autres un million dans moins d'une heure <rire> <rire> euh, merci beaucoup madame vraiment merci il n'y a pas de quoi euh, 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 Vas-y, bois. Je pense que je dois m'en aller maintenant. Oh, d'accord. <laughs> <laughs> ok. Ouais, merci, madame. Oui. Merci. <laughs> euh, James. Oui, oui, madame. Je voudrais te remercier d'avoir été si discret et aussi très professionnel. Euh, ok, madame. J'espère que nous ferons davantage des affaires. Oui, oui, madame. Merci. Mmh. Passe une bonne journée. <laughs> ああ。<laughs> <laughs> L'épée. Oh, Qu'est-ce que tu m'as donné Qu'est-ce que tu m'as fait Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait S'il te plaît. Je t'ai fait exactement ce que tu as fait à mon corps. Tu as empoisonné sa poisson. Fait pareil avec la tienne, chérie. Amène-moi à l'hôpital, sinon je vais mourir. Oh! Oh! James, bébé. Je suis désolée, mon amour. Mmh, bébé. Désolée, bébé. Personne. Personne ne doit être au courant de mon petit secret. Oh Désolée chérie. Mmh. Mais tu dois mourir avec ce secret chérie. Mmh. Oh Oh <laughs> Lisa. Lisa, s'il te plaît, épouse-moi. Épouse-moi et rends-moi l'homme le plus heureux du monde. Je serai ton père, ta mère, ton meilleur ami, ton mari et tout le reste. Et euh, je t'en prie, dis oui. Oui, oui je vais t'épouser. Oh mon Dieu. Ah, viens là. Merci. It's magnifique. Oh. Bébé? Oui. Oh, bonjour. Bonjour, mon amour. Comment était ta nuit? <laughs> Elle était bien. En plus, je me suis réveillée devant un visage souriant. <laughs> euh, écoute, j'ai fait le petit déjeuner, mais avant ça, voici ton verre de jus. S'il te plaît, bois-le. <laughs> Allez, vas-y. Oh. Les médecins tout. disent que c'est bon. Quel médecin Allez, descendons. On descend. Je pose <laughs> ça ici. Allons-y. Allez, viens. <laughs> ferme les yeux, <laughs> ferme les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais Bébé doucement. Allez, vas-y. Oh, tu les as ouverts. J'ai triché. Non, 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 je t'ai fait ton petit déjeuner. Oh. Ouais. Et voilà. C'est chaud. Merci. Attends. Le café ou le lait. Je vais choisir ça. Non, pas celui-ci, mais l'autre. Tu veux celui-ci? Tu devrais même pas faire un choix. Je ne sais même pas. C'est comme une tradition. Ok. okay. C'est bon. Tu adores le lait, hein T'es <laughs> <Bébé> au lait. <laughs> C'est bon, là Du sucre. Non, non. Pas de pas sucre. Pas de sucre Oui. Merci. C'est prêt. Mmh. J'ai le meilleur. Ok. Là, il y a du pain. Et là, du beurre. Merci. De rien. Ok. <laughs> c'est chaud, hein? Mm. C'est très chaud. C'est ah brûlant. Hein. Mais adorable. Ce sont ces petites attentions qui. qui me font plaisir. Eh bah, bien, c'est évident. Je l'ai fait tout seul. J'en suis convaincue. Hé. Hey. Je t'aime. Je t'aime également. Eh ben, je t'aime encore plus. <laughs> Arrête. Tu es rusée. Toi, t'es loyale. Tu es T'es loyale. Je t'aime. T'es adorable. <rire> <rire> Bébé, dépêche-toi. Tu seras en retard pour le travail. J'arrive. J'arrive! Chérie Je suis là. Oh, te voilà. Justement ça, je la cherchais. Vraiment Tu me mets toujours en retard. En quoi est-ce que c'est de ma faute C'est parce que... Approche. <rire> 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 parce que quoi Je peux pas me passer de toi. <laughs> Et... Et quelquefois, j'aimerais t'amener au travail. Oh, tu veux m'emmener au travail Ok, allons-y. Allons non, t'as placé à la maison. <laughs> mm. mm. Quelqu'un va encore m'accuser oh, oh, oh. de le mettre à la bord. Écoute, oh. chérie, on reprendra ça à mon retour. Garde cette faut. énergie, ok -toi Bisous, mm. Bisous, je t'aime, à, à bientôt. Sois prudent. Je ne pas, t'inquiète. <laughs> Mmh. Selon les instructions de ton père, j'aimerais que tu remplisses ce document. Okay. Et si ok. Que tu y inscrives ton nom sur les biens qu'il t'a légués ainsi que ta signature. Oh, ok. S'il te plaît, inscris le nom de l'héritier à cet endroit. Oh. Juste ici. Seigneur, ah, viens là. Mmh, mmh. Vas-y, bois, le non, docteur a dit que c'est bien tôt. pour la santé. <laughs> Quel médecin Qu'est-ce que tu fais Doucement, chérie. Euh, allez, vas-y. T'as déjà ouvert tes yeux. J'ai triché. Euh, et ben voilà. Euh, Où est-ce que je signe pour les riches Je te suis. Oui. D'accord. Ce sera mon adorable mari. Ok. Oui, je vais utiliser ce document pour tout mettre en ta possession là. Tout sera en ordre. Merci. Il pas de quoi. Bonne oui. journée, ok Oui, okay. merci. Je te tiens informé. Tout se déroule comme dans les plans. Elle a signé les papiers et m'a nommé comme successeur. <laughs> et qu'est-ce que tu attends encore Tu dois l'éliminer maintenant. Euh... Pas si vite. Je serai le premier suspect aux yeux de la police et on n'a pas besoin de la tuer. Écoute. Écoute-moi très bien. Nous devons nous dépêcher. Parce que si elle venait à découvrir que mon père a perdu sa vie pour les 2 millions de naira qui lui étaient destinés, elle se rendrait immédiatement à la banque pour y faire un retrait. Un instant. Tu m'avais pourtant assuré que les documents étaient en ta possession, alors comment est-ce qu'elle serait au courant de l'argent Tu ne comprends toujours pas, c'est ça Étant donné qu'elle a été proclamée héritière, si elle meurt, alors l'argent te reviendra automatiquement. Je, je... Alors, tu dois la tuer, et maintenant Ça, je sais déjà, pas besoin de me le rappeler. C'est pour ça que nous avons prévu tout ça à la base. Tout ce que je dis, c'est que les gens nous observent. Alors on doit être extrêmement prudent. C'est ce que je dis. De toute façon, pas de soucis. Mais, j'ai déjà fait ma part du boulot. Donc, il ne te reste plus qu'à faire le tien. T'en fais pas, chérie. Bientôt, nous ferons un tour à la banque. Sois patiente. Oh, oh, bébé. Lisa, pourquoi par tous les dieux tu adores me faire attendre Pourquoi Non, allez, je voulais juste me faire belle pour toi. Et tout ça pour qui Tu veux te faire draguer Je veux savoir pour qui tu te rends belle euh, Je suis désolée. Désolée pour toi, allez, on y va. Ah, ah. Je pensais que tu allais me donner un coup de main avec ma fermeture. Qu'est-ce qui va pas? Oh, allez, bébé, sois romantique. Ouvre la portière à ta femme. Depuis quand? Hein? Depuis quand est-ce que ça a commencé? T'as un problème avec ta main? Oh, bébé, arrête de chialer. Ouvre la portière. Je suis ta femme. Allez. Et si je refuse? Ça veut dire que tu n'es pas prêt à aller à cet événement? Oh, vraiment? Observe. Duran Ah D'où Jésus Mais... Duran, Duran, combien de fois est-ce que je t'ai appelé, Duran Mais qu'est-ce qui t'arrive Ça ce n'est pas l'homme que j'ai épousé, toi qui étais si amoureux, si attentionné. Qu'est-ce qui ne va pas Tu devrais te poser cette question, parce que t'as plus de respect pour moi. Comment peux-tu dire que je ne te respecte plus tu es celui qui n'a absolument plus aucune considération pour moi. Eh, eh, attends, viens-tu de me parler avec autorité Non, 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 non. Viens-tu de me parler avec autorité Bébé, eh, je... Recule. 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 Maintenant parle. Ce que tu as fait l'autre jour était mal. C'était très humiliant. C'était déplacé. C'était blessant. Tu n'avais pas à faire cela. Tu vois C'est exactement de ça que nous sommes en train de parler. On est encore en train de parler de ce que tu as fait et te voilà qui en fait davantage. Tu <laughs> ouvres ta bouche qui n'a rien à dire de bon et tu vomis toutes ces conneries. Eh bien sache que ce que tu viens de faire là est aussi blessant. Tu es mon mari. Si je ne te corrige pas, qui le fera Je m'en vais. Et ne me touche pas. Duran. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu la laisses encore profiter de la vie ainsi. Elle devrait déjà être morte. Patiente ma chère, patiente. Je t'ai dit plusieurs fois que la police est aux alentours et ainsi que les yeux des gens. Si on fait un mauvais mouvement, on est mort. Durand, je crois qu'avec cette manière dont tu la traites, elle pourrait se sentir frustrée et changer le testament. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? <laughs> C'est ça ta crainte? Elle ne fera jamais une pareille chose. Elle ne le fera pas. Hmm. Durand, tu me sembles très, très sûr de toi. Oui, j'en suis sûr. C'est de ma femme qu'il s'agit. Elle ne fera pas une telle chose. T'inquiète pas. T'ai-je bien entendu? Est-ce que je t'ai bien entendu? Tu dis que c'est ta femme et que tu la connais si bien. Chérie, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. J'essaie juste de te faire comprendre que je sais ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. C'est tout à fait normal. Mais ça ne faisait pas partie du jeu. Mais je m'aperçois que ma sœur a bouleversé ton cerveau. Mon amour, tu sais que je ne laisserai jamais quelqu'un se mettre entre nous. Je ne le ferai pas. Mmh. Oui. Si tu penses vraiment ce que tu dis, alors prouve-le. <laughs> C'est vraiment ce que tu veux. Mmh. Approche. Mmh. Qu'est-ce qui est ridicule sur le fait de te demander où est-ce que tu as passé la nuit? Tu as quitté cette maison hier nuit, et là tu reviens ce matin, et tu t'attends à ce que je ne te pose pas de questions, c'est ça? Hein? Vraiment? Euh. Euh. C'est quoi ton nom déjà? Ah. Euh. Lisa? Je n'ai pas de compte à te rendre. Mais en ce qu'il en est, j'ai quitté cette maison parce que tu râlais. Et maintenant je suis de retour, tu le recommences. Moi? Oui! Moi? Oui! Tu essaies de rejeter la faute sur moi pour avoir passé la nuit dehors Moi, je t'ai nargué Quand est-ce que je l'ai fait <laughs> Ah C'est drôle, tu sais. Écoute-moi très bien. Tu ne mettras pas un pied dans cette maison jusqu'à ce que tu m'expliques d'où est-ce que tu viens. Ah bon Oui, je pars du. <laughs> Écoute-moi. Que ce soit la première et la dernière fois que tu m'empêches d'entrer dans ma maison. Est-ce que tu m'as comprise Oui. Sinon. <laughs> Oh mon dieu. Ça c'est très étrange. Je connais très bien Duran et tous les efforts qu'il a fournis pour t'avoir. Alors comment Ma chère, c'est de cette façon qu'il a changé. Il a tellement changé que je ne reconnais même plus l'homme que j'ai épousé. Il y a un truc qui ne tourne pas rond quelque part. As-tu des doutes sur quelque chose Non. Quelque chose comme quoi Le fait par exemple qu'il ait une liaison avec quelqu'un d'autre <laughs> Non. Non, 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 non. Non, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'il le ferait. Il ne me ferait jamais une chose pareille. Hmm. Tu devrais l'avoir à l'œil. Au moins pour qu'on sache de tout ceci, vient. Je veux dire, c'est ton mari, et tu as le droit de le guider et le protéger. Ne penses-tu pas Ok, je le ferai. Je vais vérifier les choses, mais je ne pense pas qu'il soit capable de me tromper. Je pense que tu devrais. Félicia a raison. Il se passe sûrement quelque chose. Duran est très violent avec moi ces derniers temps. Je pense qu'il est temps pour moi de me concentrer et de découvrir ce qui se trame. Et comme on le dit souvent, le meilleur moment pour tuer un moustique, c'est pendant qu'il est en train de piquer. Duran Duran, j'en ai plus qu'ici avec toi. J'en ai plus que marre de ta nature et de ton attitude égoïste. Tu veux toujours que les choses se passent comme tu veux, sans jamais prendre en compte le ressenti des autres. Je suis le chef de cette famille. Je suis ton mari, et mon opinion devrait toujours être approuvée dans cette maison. Mais personne ne discute cela avec toi. Au moins, Duran, traite-moi comme une femme. Laisse-moi m'exprimer, ne serait-ce qu'un peu. Écoute, femme, je ne vais pas m'asseoir ici et t'écouter me défier comme s'il si s'agissait d'une élection présidentielle. Dans cette maison, je suis le président, le vice-président ainsi que le premier ministre. Toi, t'es qu'une pauvre citoyenne. Au moins, je suis un être humain et non une vulgaire chose que tu aurais, tu aurais ramassée dans la rue. Toi, je te rappelais qu'ici, c'est chez moi. Et dans ma maison, je suis l'alpha et l'oméga. Et personne, je le répète, personne ne devrait me questionner. Duran, est-ce que tu as dit ta maison Oui, ma maison. Ta maison Oui, ma maison Est-ce que tu sais que sans ma contribution, tu ne serais pas assis là à me parler d'être propriétaire d'une maison Tu n'aurais pas le courage de croiser les pieds et d'affirmer être un homme Parce que les vrais hommes n'aboient pas Vraiment D'accord. <laughs> Regarde. Oui T'es... Oh oh. Et je t'avertis dans ta vie entière même si tu meurs et que tu reviennes dans l'autre vie n'ose plus jamais t'adresser à moi de cette manière c'est compris ah, oui 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 n'importe quoi <rire> <rire> Allô Oui, c'est qui Oui, docteur, quel est le souci Où ça D'accord, j'arrive. Bonsoir, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, je suis à la recherche de Madame Lisa. Eh bien, votre femme a été victime d'un terrible accident. Quelqu'un l'a amenée urgemment ici, mais il était trop tard. J'en suis navré. C'est pas grave. Euh, docteur, puis-je voir le corps? Oui, bien sûr. Euh, veuillez simplement me suivre. Vous venez Je suis vraiment navré, monsieur Duran. S'il vous plaît, veuillez accepter mes condoléances. Docteur, euh, êtes-vous sûr qu'elle est morte? Je veux dire, morte, morte, morte? Bien sûr, nous avons fait plusieurs tests sur son corps et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais hélas, il se faisait très tard. Comme je vous l'ai dit plus tôt. Euh, si j'ai pu me permettre, pourquoi cette question? Ah, mais, Docteur, vous venez juste de me montrer le corps sans vie de ma femme. Est-ce que c'est mauvais? de me rassurer qu'elle soit vraiment morte, genre morte Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je veux simplement savoir si elle est vraiment morte. Dans ce cas, montrez-moi où je dois signer pour qu'elle soit placée à la morgue. Euh, D'accord. Euh, Veuillez juste me suivre, s'il vous plaît. Allô? Hey Elsie, je viens à la maison. Prends une bouteille de champagne, on a quelque chose à célébrer. <laughs> oui, à tout à l'heure. Fabuleux. Regarde ça. <laughs> ouh, ouh, ouh. Ah, ça c'est notre argent. C'est notre argent. Clic 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 clic. clic. Ah, bébé. Allez, étape 5 Nous y sommes. On a travaillé pour ça. Oh oui. Allez, brûle. <laughs> On oh, va te gaspiller Absolument, chérie. Oui. Ouh. Enfin. Vraiment, enfin. Enfin. Je impatient, tu peux danser maintenant. Ouh. Ça y est. <laughs> Et voilà. Uh. <laughs> Mmh. Euh... <laughs> oh, J'ai attendu absolument toute ma vie pour ça. Et tu as failli conclure que c'était peine perdue. Mmh. Non, non. En fait, je suis devenue furieuse parce que l'attente était devenue vraiment trop longue. Et là, nous voici à boire du champagne. Mmh. Cela ne veut dire qu'une seule chose. Que nous sommes deux ah, millions de fois Régis plus riches que ouais. <laughs> Tu sais, tu, tu es l'homme. Non, 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 non. Tu es mon homme. Tu as fait tout ça tout seul. Merci, bébé. Non, 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 non. Merci à toi. Euh, tu as élaboré le plan. Et M'a convaincu que c'était possible. Alors, c'est à toi que je dois dire merci. Santé. <laughs> <laughs> non, 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 Oh, encore mieux. Ça, le <laughs> mm. 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 goût des 200 millions. <laughs> Monsieur Duran, j'ai informé la compagnie d'assurance à propos du décès de votre femme. Que son amour repose en paix. Euh, euh, et qu'est-ce qu'ils ont dit Les travail disent que dans une semaine ou deux, au maximum, le successeur, qui n'est personne d'autre que toi, héritera de l'argent. Et devinez quoi euh, Quoi L'argent vous sera reversé en espèces. En cash Oui. Waouh Eh bah, c'est super Oui, je le pense aussi. Dans tous les cas, euh... Je reviendrai vers vous, si possible. D'accord. Merci beaucoup, maître Moses. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Euh, je serai à votre plaît. écoute. Prenez-le calmement. Je le ferai. Je le ferai. Bon, je m'en vais. Passez une bonne journée. Où est l'argent euh, Ils disent qu'ils travaillent dessus. Ça prendra une ou deux semaines. Mais que veux-tu dire par ils y travaillent Ils ont promis de décaisser l'argent une fois que la fille sera morte. Et elle l'est. Pourquoi ne t'ont-ils pas payé euh, Calme-toi, Elsie, pour l'amour de Dieu. Ça fait à peine une semaine que la fille est morte. Nous devons prendre les choses doucement sans attirer aucune attention sur Je nous. Je m'en fiche. Le plus important, c'est que... que la fille est morte. Et que son successeur ait la chance de récupérer les deux millions de Naira. Et ça, c'est toi. Alors qu'elle te paye, simplement. Cet argent. Calme-toi. Donne-leur un peu de temps. En croisant simplement les doigts. Ça, c'est totalement inacceptable. Je ne peux plus l'accepter. Euh, le document dit que l'héritier sera payé une fois que la personne sera décédée. La fille est morte. Payez-moi ce que vous me devez. Monsieur Duran, s'il vous plaît, calmez-vous. Je refuse de me calmer et ne me dites plus de me calmer. Ça fait déjà deux semaines que cette fille est morte. Ne me dites pas de me calmer. Écoutez-vous un instant. Ça fait juste deux semaines que votre femme est décédée vous voici en train de lutter pour son assurance. Vous devez être en train de faire son dé. Monsieur Moses, ce sont mes affaires. Ça ne vous regarde pas. J'ai besoin d'argent pour... pour... Euh, euh, faire ses funérailles pour faire deux ou trois choses. D'accord. Quelles sont ces choses que vous voudriez préparer euh, Très bien. Ma femme occupait une grande place dans ma vie. D'accord. Je vais être à mesure de lui faire un hommage digne de son nom et j'ai besoin d'argent pour faire La ça. Personne n'a dit que vous n'aurez pas l'argent. On vous demande juste un peu de temps et vous serez payé espèce. en espèces. Je m'en fiche que vous me le donniez en espèces ou en liquide. Donnez-moi ce qui me revient, c'est tout ce que je dis. Monsieur Duran... Écoutez, j'ai hérité du poste d'avocat au sein de la famille par mon père. Et je mène un excellent travail depuis des ans. Déjà, ils me font entièrement confiance et je vous invite à faire pareil. Euh, Maître Moses, je m'en fiche de ce que vous avez hérité. Ou du nombre d'années que vous l'avez hérité. Si la semaine prochaine, je ne perçois pas mon argent, tous ceux qui travaillent dans cette affaire, le ciel tombera sur terre. Vous tous qui êtes impliqués, vous comprenez ce que je monsieur dis. Durane, écoutez, écoutez, monsieur Duran. N'osez même pas m'appeler. Monsieur Duran, monsieur Duran. Allô Oui, maître Moses. Oui, je vais bien. Pardon Oh Vous me donnerez l'argent Oui, merci. 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 Oui. Euh, Monsieur, je pense que je devrais vous dire à quel point cet argent est important pour les funérailles de ma femme. Oui, absolument tôt. D'accord, messieurs, je je viens tout de suite les récupérer. Oui, en fait, je suis même en route pour venir. Très bien, oui, très bientôt. Euh, à très bientôt. Oui, 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 yes. Ouh. Décroche, 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 décroche. Salut, chérie. Devine quoi. L'avocat Moses a perçu l'argent. Ouais. <laughs> ok, prépare-toi, je arrive te chercher. Vous voyez mon cœur. D'accord à toutes. Oh. <laughs> je suis ravi que vous soyez là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va, ne vous en faites pas. Oh. Comment allez-vous? Euh... Je vais bien, merci, monsieur. Euh, N'avez plus au décès de votre sœur. Et veuillez accepter mes condoléances. Merci, monsieur. Merci pour vos souhaits. Eh bien, retournons aux affaires. Oui. Voilà l'argent. Oh, oh, oh. Wow. Bon sang. <laughs> Maître Vous voulez compter Non, 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 non. Écoutez, maître. Je pense que comme le Tif Dukas vous faisait confiance, paix à son âme, moi également, je vous fais tellement confiance. Alors vous dites que tout c'est au complet Oui, c'est complet. Les 200 millions En effet. <laughs> maître Moses, <laughs> viens, tu vas m'aider. Attends, je... je pense même pas. Ah attends, ah attends. Attends. Mais, t'es supposée être morte. Non, t'es morte. Je... Mais tu m'avais dit qu'elle était morte. Oui. Regardez-vous. Je l'ai vue. Elle est morte. Oh, taisez-vous. Il va de soi que je ne suis pas morte. Merci à cet ami à moi qui m'a aidé à rester en vie. Maître Hé, hey, comment tu vieille. vas chérie mm. Mm. OK, c'est très bien. Oh. Vas-y, entre. Je suis complètement foutue. Je n'arrive pas à y croire. Que veux-tu dire? Mais qu'est-ce que mon mari ferait avec ma propre sœur? Quoi? Ne sois pas aussi naïve. Que ferait un homme avec une femme? <laughs> Duran ne pourrait pas. Duran ne pourrait quand même pas coucher avec ma propre sœur. Il ne pourrait pas. Mais tu l'as vu en train de l'embrasser? Oh. <laughs> Tu sais quoi? Tu as mieux à faire comme boulot. Tu devrais découvrir ce qu'ils font ensemble. Et C'est peut-être de cette manière que tout sera mis au clair. Il ne pourrait pas coucher avec ma sœur. Ça n'a pas de sens. Non, sérieusement, ça n'a pas de sens. Pourquoi ma sœur? Pourquoi elle? Juste, calme-toi. S'il te plaît. Il faut que je rentre à la maison. Il ne faudrait pas qu'il revienne et se mette à me chercher. D'accord. Je dois y aller. T'es sûr que tu pourras conduire? C'est ce pied ou bien. Garde ton calme, s'il te plaît. D'accord, chérie. Il faut que je m'en aille. Très bien. Peu importe ce que c'est. Juste appelle-moi. N'hésite pas à m'appeler, d'accord D'accord. Appelle-moi et garde ton calme, je t'en prie. Je ne comprends pas ce gars. Je suis finie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis complètement foutue. Dis-moi, qu'est-ce qui cloche? Felicia, toute ma vie n'a été qu'un pur mensonge. Comment n'ai-je pas pu le remarquer? Comment n'ai-je pas pu le remarquer? Vos tu arrêter de tourner autour du poing et me dire ce qui ne va pas? J'ai épousé le petit ami de ma soeur. C'est ça le problème. Quoi? Comment l'as-tu su Je veux dire, comment as-tu fait pour le découvrir J'étais en train de fouiller les anciennes collections de mon père. Ok. Et là, j'ai vu une photo. Sur cette photo, c'était elle-ci, assise avec Duran, à une cérémonie de mon père. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Je le savais. Je n'arrivais simplement pas à me rappeler. Je le savais. Je le savais. <laughs> Alors, ça signifie que. Orsi. Et Duran. ont planifié tout ce mariage. Et je suis sûre qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. Jésus. Pourquoi me ferait-il une chose pareille Pourquoi. Pourquoi me ferait-il une chose pareille ne t'inquiète pas, nous allons découvrir cela. Juste garde ton calme. Oh mon Dieu! Je savais qu'ils m'anégançaient quelque chose. Mais je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Je savais que ma sœur était dingue. Mais je ne savais pas qu'elle pouvait aller jusqu'au point de mettre fin à la vie de mon père, juste pour de l'argent. Je ne savais pas qu'elle se mettrait avec Turan. Pour faire des choses aussi horribles. C'est complètement absurde. Je n'arrive même pas à croire que Duran jouerait au bon Samaritain juste pour m'avoir, dans le but de m'amener à faire de lui mon héritier, pour que finalement ma sœur et lui me tuent pour hériter de la fortune. Lisa, nous devons rapidement faire quelque chose. Elsie et Duran devront faire face à la justice. Je suis une bonne personne. Mais ils ne savent pas que moi également je peux jouer à ce jeu. J'ai une idée. Approche. Wow. C'est une idée vraiment brillante. En fait, tu es un véritable génie. Ils ont été à la tête de ce jeu pendant maintenant très longtemps. Mais le jeu est sur le point de changer. C'est ainsi que j'ai décidé de feindre ma mort. J'ai de ce fait impliqué l'avocat. Comment ont-ils pu faire ça Tu veux dire que tu serais responsable de la mort de ton père Ça, ce n'est même pas le pire. Le père sait que je suis la prochaine sur la liste. Ces gens ont l'intention de me tuer. J'ai tellement peur. Je ne sais même pas quoi faire. Non. Non, je n'essaierai pas ça arriver. Tu es comme ma sœur. J'ai une idée. Dis-moi que tu te rentre chez toi. Que tu sois mis d'accord avec ton mari et tu t'enfuis. En quoi est-ce un plan? Écoute, je vais faire appel à un ami médecin. Ils vont créer un accident et te couvrir de sang. Et ensuite, appeler ton mari pour qu'il vienne bien sûr reconnaître ton corps. Vraiment Oui. Attends. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt oh. C'est une très bonne idée. C'est une brillante idée. Waouh wow. Je pense que c'est un avantage. Oh. Euh, attends. D'autant plus que ça sonne comme un plan. Es-tu sûr que ça va marcher Bien sûr que oui Écoute, une fois morte, alors, je veux dire, il n'y aura rien que tu puisses faire. Il ne pourra pas te tuer une deuxième fois. Ok. Donc, je vais lui passer un coup de fil, ok D'accord. Allô, monsieur Ouais, c'est qui C'est le docteur Christopher à l'appareil. Oui, docteur, qu'est-ce qu'il y a Monsieur, votre femme a été victime d'un accident. Et je voudrais. Je voudrais que vous vous rendiez au Diamond Hospital. Nous l'avons perdu sur le coup. D'accord, j'arrive. Très bien, monsieur. Il est en chemin. Comment est-ce qu'il a réagi, docteur Il semble affecté. Il est en route. Dans ce cas, euh, je vais vous faire. Une injection, d'accord Vous serez inconsciente pendant quatre heures, exactement quatre heures. Après ça, vous vous réveillerez. Ah, euh, genre je vais mourir Eh bien, vous aurez l'air d'être morte, mais vous ne le serez pas vraiment. Docteur, je peux simplement me coucher et prétendre être morte. On doit pouvoir convaincre votre mari que vous êtes morte, d'accord Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Dans exactement 4 heures, vous serez debout. Allez. « Cher époux, mon adorable sœur. Donc tu apprends que ta femme est morte et la première chose que tu trouves à demander, c'est si elle est vraiment morte. C'est pas ça, Lisa. Ferme-la! Tu apprends que je suis morte et la première chose que tu trouves à faire, c'est d'aller forniquer avec. avec ta petite amie. Non, je n'ai pas forniqué, j'ai pas forniqué. <rire> <rire> Seigneur. Elsie. Papa savait que tu n'avais pas un caractère facile. Mais personne n'aurait imaginé que tu oserais tuer ton propre père pour de l'argent. Et personne n'aurait imaginé que tu tenterais de tuer ta propre sœur. Pourquoi Pour de l'argent. Je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite longue vie et prospérité. Officier Attends, appelé oui. la police. Officier, tu as un problème avec ça Tu veux faire arrêter ton oh mari Marie, mon œil. Lisa, pas besoin de mêler la police dans tout ça. C'est une affaire familiale. Je suis l'inspecteur Michael, et voici mon collègue l'inspecteur Kayade. Nous venons du poste de police. Vous êtes en état d'arrestation, et vous avez l'obligation de garder le silence. Tout ce que vous direz ou vous ferez retournera contre vous en justice. Par ici, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, on peut résoudre Monsieur ce problème. Monsieur Duran, s'il vous plaît, vas-y. Je suis tellement déçu um, S'il te plaît, les clés de ma voiture. Venez. Quoi Allez, remets-lui la clé. Et comment vais-je me rendre Monsieur Duran, s'il vous plaît, dehors. vas C'est une affaire familiale qu'on peut résoudre. en Mettez-vous besoin de mêler la Madame police. El Madame Elzy. Madame Elzy.